Tac, c'est YouTube, comment ça va? On se retrouve eh bien pour continuer un petit peu l'aventure là dans la colonie oubliée. Il y a des infos à prendre. Il y a des choses à voir ici. Sûrement des quêtes pour améliorer un peu notre affinité avec eux. Qu'il y a peut-être quelque chose dans le lac. Un petit peu le brouillard de guerre, c'est toujours utile. Emplacement d'un ancien château. Une ouverture ici. Par contre, les petites étincelles, je sais pas dire mais pourquoi elles sont. Ah non, c'est peut-être juste les fleurs qui s'affronnaient. C'est dans l'or. De cerisier, ça. Modernité, tradition, des trucs du genre. Pas normal. Oh. Voilà, ça c'est vu. Il y a ici, on n'a pas encore vu. Ah mais c'est sur quoi pour monter jusque là. Mais il y a peut-être un ennemi unique. Bon à apprendre même. Pas combien? Rien des terres. 89 sur 99, ouais, je peux en récolter. J'ai juste pas envie d'en récolter quand je suis à 99. Oh, quelque chose ici. Héritage des sept. Qu'est-ce donc? Un nouveau.
vraiment dans le coin. Ah. Alors, l'anneau jovien, qu'est-ce donc? On a vu que c'était un équipement. Un accessoire. Anneau jovien. Jovien pas. Bien, tant mieux. D'accord. Ah oui, écoute, c'est très bien. Réflexion. Cube d'or. Et marque virale. Un roll laser feinté. Impossible d'esquiver. Pas mal ça. Dommage que ça soit si petit. Moi, j'aurais bien aimé avoir une bonne liste sur deux colonnes là. Pas tout là, nous jouons là. Anneau jovien. Augmente de 40% l'agilité. D'accord. Ok, c'est juste un boost d'agilité. Pas trop smooth ton son aussi. Ah bah, fait qu'il y a... boire de son smoothie fruits rouges. Un smoothie de graines de mûres et de framboises. Pas de pépins. Beaucoup de pépins quand même. Ah. Qu'est-ce que j'ai comme message? Il n'y a qu'un colis. Ok. Alors, bon. Ça.
Ok, c'est bon. Je vérifie un peu. Du coup, oui. Donc oui, on a vu les bracelets jaunes. Et l'anneau jaune. Les aléas du direct. Avec Oh, zone secrète. C'est pas mal, hein, ça me file des points d'âme. Bon. Ça... T'as pas vu ça? Bon, peu importe. Pour au camp, on va écouter les conversations. Ah bah tiens. Et de faire du thé avec les fleurs de safranier. Les couleurs, n'est-ce pas? C'est dégueulasse. La vie paisible. Oh oh. C'est un compte. Hop hop hop, les infos. Pour des infos. Oh. Quelques mots avant. Colt. Ah, c'est la vie tranquille là aussi. Hein. C'est la vie paisible. D'accord. Ok. Information. Pêcher dans ce cas. Ok, le gros bruit. Bon. J'ai eu. Est-ce que tu as. Ça va, il y a peut-être une quête d'affinité. Alors, faisons le point. Bon. Déjà, le gros mouris. Manana, ce truc appelé gros mouris qu'il cultive dans la colonie. Quel genre de plat en cuisine avec ça? Il doit d'abord réduire en farine. À prendre grand riz sec et moudre pour faire jolie farine. Puis prendre farine grand riz, ajouter eau et tap tap tap. Faire pâte super aérée. Elle peut cuire au four ou vapeur. Et est super bon, miam miam. Ah oui, je vois. Est-ce que Senna s'y est curieuse pour apporter assistance prochaine fois que Banana Papa. Senna est forte, si Mori aura super farine et jolie pâte super lisse. Oh cool, j'ai hâte d'essayer. Hmm. La lame est parfaite pour moi. Bon marteau, quand même. Ah, dans le cas pareil, résultat serait farine moins lisse et plat plus mou appelé mushi. Et mushi est délicieux aussi. Ah oui. Alors, la vie paisible. Désolé, je suis un peu en haut. Ah, quel endroit paisible, reposant. Tous ces safraniers partout, et ce mode de vie autonome, ce n'est vraiment pas un mauvais endroit, en effet. J'ai l'impression que le temps s'écoule plus lentement ici. Peut-être est-ce parce que la vie à l'extérieur dans notre monde est bien plus mouvementée. Ah, c'est un blague, c'est la guerre dehors. On change d'un jour à l'autre. Amis, on travaille trop dur. Qu'entendre diviser convenablement, quotidien mouvementé, pas nécessaire. Amis, on doit saisir l'occasion de se reposer et prendre temps pour eux aussi. Ah, voilà Cricu, joue les vieux sages. J'ai rien contre l'idée de me reposer, mais quand est-ce qu'on est censé faire ça?
Rémi Pont super occupé, et moments ou détente particulièrement importants. Pas bon passer vie à se dépêcher. C'est une remarque plus que pertinente, à ma grande surprise. Pourrions déjà commencer par nous reposer lorsque nous avons le temps et l'occasion? Plutôt recommandé, oui. Première étape serait qu'Amipon fasse sieste pendant 3 jours. Bah t'es pas sérieux, mon gars. On est près des Nopons, hein. Amipon Lance, toujours fermé d'esprit. Autre solution, Amipon au café renforcement musculaire. Ça, c'est déjà mieux. Ah non, ça, c'est les mouchements en port. Apparemment, la colonie lambda masse énormément d'éther en ce moment. Ouais, un gars derrière, appelé Koji, serait derrière tout ça. Il a l'air d'avoir personnellement mis la pression sur le commandement du Koji. Sur le commandement du Koji tout craché. Toujours eu de l'éther, non? Ils en font l'extraction, je crois bien. Il semble que les quantités extraites soient devenues colossales. Un tel essor en si peu de temps est proprement stupéfiant. Les performances relèvent de l'exploit. Certaines colonies n'ont jamais assez d'éther, tandis que la colonie lambda trompe sur un gisement important. Ils disent même qu'ils en ont trop. Ils peuvent pas le partager avec d'autres colonies? Qu'est-ce qui les en empêche? Si on allait leur demander. C'est vrai, moi aussi je serais curieux de savoir. Allons leur demander. Plus de ressources. Bien emmerdé ici. On n'a pas tout. Défense de lambda. Pareil qu'un gars appelé Varen bosse sur un genre de prototype. Oui, tout le monde espère qu'il va renforcer les défenses de lambda. Je me demande ce que ça peut bien être. Mais tout de même pas un nouveau genre de l'avenir autonome. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas simplement jeter un petit coup d'œil, hein? Ça me concerne quand même un peu, non? Oui, je pense aussi. Les défenses de la colonie lambda sont nos affaires. Alors, qualité lambda. J'ai beaucoup entendu parler qualité de commandement de la colonie lambda. C'est vrai, Taillon? Bien sûr, le commandant est sûr de rassembler la crème de la crème sous son commandement. L'un des plus grands talents de Lambda était de toujours changer la formation des troupes pour confondre l'ennemi. Ça t'a demandé beaucoup d'ingéniosité. Les formations maintenant, leur cohésion, en changeant de position sous des ordres bien précis. On disait de leur performance qu'elles étaient hors pair lors d'affrontements à grande échelle. Rien à voir avec la colonie neuve, quoi. Nous avons toujours fonctionné en petit détachement. Je ne me souviens pas de manœuvres de cette envergure. Je me demande ce qui se serait passé si la colonie 9 s'était retrouvée face à Lambda. Je pense qu'on aurait pris cher. De façon comme une autre de dire, ça aurait été un massacre. Laissez-moi vous proposer une simulation de ce combat. La colonie Lambda établit une solide défense. La colonie 9 s'épuise ensuite à force d'assaut et se retrouve encerclée par les forces de Lambda. Une fois regroupées et mobilisées, les troupes de la colonie 9 sont bombardées par des lemmings autonomes. Toutes les troupes de la colonie 9 sont alors fauchées sur le champ. Encore une victoire pour le commandement ici. Le commandant ici. C'est pas un peu partial, mon pote? Un peu biaisé. Eh bien, ce massif du Raya, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus massif. Oui, c'est à croire que la personne qui l'a nommé s'est trompée. Environ la moitié du massif a disparu à cause des phénomènes annihilants. L'annihilateur du château de Kev a aussi créé une brèche pour ne pas ranger les choses. Ah, d'ailleurs, faudra qu'on aille voir s'il n'y a pas quelque chose qui a été ouvert depuis. C'est intéressant à voir ça. Oh, je préfère pas trop penser à cette machine infernale, mec, merci. Moi non plus, pour être honnête. Quand même, on se demande. On sait qu'un jour le monde partira en fumée, juste comme ça. Ah, sans doute pas notre vivant, mais peut-être des décennies ou des siècles après nous. C'est probablement inévitable, n'est-ce pas? Probablement. Et c'est dans un avenir très loin. Mon cerveau peut pas se... Non. Et c'est dans un avenir
très lointain. Mon cerveau peut pas se projeter aussi loin. Ah nous, ça va, mais ceux qui seront là après nous, ils sont mouchés, pas vrai? Sans doute. On ne se sent peut-être pas concerné personnellement. Ce que nous faisons a des répercussions. Ouais. On peut pas fermer les yeux sur les conséquences de nos actes. On peut regarder les choses en face, même si on se sent bourbeux. Tiens, je suis capable de ressentir des regrets. Faut que je fasse une croix sur mon calendrier. Je suis en train de montrer mon côté sensible, là. Pas cool de mettre des brasiers de Kuba. Ah, son côté sensible. Ouais. Nettoyage. Bon. Du coup. Le surplus des terres. Le surplus des terres, c'est pas ici. Oula. Ah oui, retour de percale. C'est quoi ça? Encore un truc qu'on n'avait pas été voir. Ah oui! Bien non, mais là c'est les trucs à niveau 70 et quelques. Hein. Voilà quoi. Morlaix le bastion. Ah, par contre, il y avait un ennemi uni. On avait fait un endroit. Ouais, c'était là. Là, le commandant Hyperion. Commandant Hyperion. Ça. Et par contre, héros, on va se remettre avec. Mina, j'ai mis à Ina. J'ai pas eu le temps de voir s'il avait une âme à récupérer. Ah!
Allez, je dégaine. Allez, je balance. Ok. C'est éjecté. J'enchaîne. C'est formidable. Ok, ça fait un remplissage de plus. C'est pas très très cool. Ok, c'est bon, ça passe. Et là, je peux faire ça.
Là j'ai le choix. Soit je finis avec lui, soit je finis avec lui. Allez. Ah, elle peut faire chute. Très bien. Battu ici alors, c'est très bien. Allez, on va faire la chute. On a récupéré. Et ben voilà, l'âme. Et voilà. Voilà, deux uniques vraiment l'un à côté de l'autre. Et où sa pierre? Apparemment, oui. Alors, je croyais que tu savais que c'était dans le groupe. Mais tu me disais, oui, oui, je sais, je sais. Peu de temps après, tu fais par contre. Regarde ce que c'est fait de sortir l'épée avec une autre place. Ouais.
un timer. Allez, c'est l'éjection commotion. Paf, la pastèque. Ça passe, non. Bah de toute façon, voilà, il n'y avait pas l'héroïne. Peu importe. Oh le flingueur, mais c'est tellement pété comme unité. Ah, pété, tellement dégueu. Allez. Fini le truc, elle. Oh. Ah, peut-être que les héros, même soigneurs, peuvent finir les combos. Et que le cap à 99% n'est là que pour nos personnages. Pas enfin, que pour les personnages principaux. Alors, compétence ennemie, attaque téméraire. D'accord. Voilà, je vais profiter, voilà, qu'on était dans le coin. Faire les ennemis uniques là. Radoleur, l'excentrique. Je ne sais plus si je l'avais fait celui-là. En vrai, il me faudrait une liste. La liste des ennemis. Je sais pas si on peut voir ça. Tellement astuce, héros, comment. C'était pas un système. Il nous manque encore une compétence. Hein? Non, il n'y a pas. Alors,
Non, il n'y a pas de bestiaire. Hein. Oh. Ah, on a plus de choses maintenant. Exception. Unité. Dernier combat. Taillon. Ansena. Héros. Marrant ça. Je savais même pas qu'il y avait plusieurs trucs. Pas qu'on débloquait des choses comme ça. Confie à l'IA la gestion des actions au combat, sauf contre les boss et monstres uniques. Contrôlez seulement l'intérieur de votre personnage et laissez l'IA gérer l'intérieur pour les alliés. Ah. De Mio. Ah bah oui, c'est là où on choisit. Très bien, très bien, très bien. Bon, je sais pas si on l'a pas déjà, si on l'avait déjà fait. Non, on l'avait pas fait. On a l'icône d'âme qui est apparu. La commotion. Chute, chute. Là. Prétence ennemie, violence émergente. Ok, ça c'est vu. Alors,
Est-ce qu'il me reste un point d'interrogation? Ah, je crois qu'on a tout fait en point d'interrogation ici. J'avais un ennemi ici. Rémi le spectral. Faire un tour. Alors, Rémi le spectral. Mais on n'a pas encore son âme. Je veux ton âme. Allez, leur ennemi, gaz toxique. Bon. Je vais vérifier, est-ce qu'il y a encore un ennemi? Ici, donc. Dans la zone. Morlaix le bastion, je crois qu'on l'a fait. Parce que je crois que c'est un des derniers boss uniques qu'on a vu dans le coin ici. On l'a fait justement pour trouver son arme. Argane. Ça c'est quoi ça? Ah oui, là, c'est ce qu'on a fait. On avait suivi tout.
des points d'intérêt ou j'ai des points d'intérêt. Des points d'intérêt que je n'ai pas vu ici. Attends. Ici. Taille de roc. J'ai pas un ennemi unique là-dedans. On va voir un peu par là. Déviator là-bas. Il y a un truc ici à faire. Ah, peut-être des doublons de pont à prendre ici. Pas grand chose. Oh, toi, maintenant t'es prenable. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne ? Caille géant de serpent. Serpent de mer. C'est pire qu'un canari en arrière-plan de... En arrière-plan sonore. Pourtant, c'est chiant, hein, quand même. Alors, une dépouille. C'est pas pire qu'un canon. Étonnant.
Non. Pas d'unité ici. Je crois qu'il y a un point d'intérêt là-haut. Un tour. On a par ici. Piou, piou, le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou, et le poussin piou. C'est pour vous dire à quel point c'est agaçant. Et toujours pas d'unique. Un peu décevant. What? C'est quoi ça? Oh, il y a quelque chose ici. On y va. Descendre, on y va. Est-ce qu'il y a... Est-ce qu'on voit quelque chose qui permet de descendre? Et oui. Là-bas. D'accord. Par là-bas. Démerdé, hein. Un peu me chaud. Concentration de ressources. Pas pour me déplaire. Okay. Allons voir. Tomber, mais je pense que la chute me ferait beaucoup trop mal. Hop, tac, au fourmix. Ah, des fourmix ici. Fourmix, des petits, oui, c'est petit. Un unique. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut.
Voilà. Non. Je vais faire celui-là. Hop. Oh, ça me remet à zéro. Ok, c'est bon. On y retourne sur les piquantes. Oh là là. Allez, les soigneurs, faut soigner les soigneurs. Allez, faut résoudre tout le monde. Ah putain. La belle à là. Allez, les soins, les soins. Les soins. C'est bon, allez, hop. Tout le monde est soigné. Je balance la sauce. Soutien, recharge d'énergie au niveau. Ça, moi, je vais le faire maintenant, mais. Pas grave.
Allez. Un soutien aléatoire. Ensuite. Ici, le déséquilibre. Passe pas. C'est pas grave. Est-ce que j'ai un autre déséquilibre avec lui ? Oui. Passe pas non plus. Résistance. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est passé. Pas grave. Ça passe. Et donc, avec lui, j'ai pas pu mettre son épée, du coup, bah, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. Je soutiens. J'essaye de faire le déséquilibre. Il y a des chances que ça passe pas. Avec lui. Ça résiste. Ça m'en fait. Allez, de toute façon il va trouver. Allez, on va vivre. Hop. Hop. On est passé de 100%, c'est très bien. Si on a eu le... si on a eu le temps. C'est bon. Dignité royale. Oh. Ça s'impose ça. On a pris de l'agro ici. Ah non. Des ennemis qui sont aggro. Ouais, remarque 59, leur niveau n'est pas très loin du nôtre. Ouais, il y a moyen qu'ils soient agressifs. もっと
Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est là? Ça... Ça, c'est quelque chose de caché, ça. Ouais. Ouais. Ça m'étonne quand même que... Ouais. Bon. Allez. Bon, on va retourner à Colony Lambda. On va dire au revoir à YouTube. Des bisous YouTube. À la prochaine vidéo pour... cette petite quête à la colonie Lambda. Ciao, ciao, les bisous!